Au Cameroun, le projet de construction de 14 péages automatiques sur certains axes routiers est peut-être remis définitivement sur les rails. Cette fois, ce sera pour un coût plus élevé selon les informations issues de la signature des accords de financement du projet dont les négociations ont été bouclées en mai dernier 2022. Salut à tous et merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Je suis Coralie Toukam. Dans un communiqué daté d'avril 2019, le premier ministre camerounais désignait le groupement Razelbeck Ejik Project SA comme étant adjudicataire du contrat de partenariat pour la conception, le financement, la construction, l'équipement, l'exploitation et la maintenance de 14 postes de péage automatique sur certaines routes bitumées du réseau routier camerounais. Notons que c'est depuis 2009 que le Cameroun avait décidé de se doter de 14 péages routiers automatiques. Et ce n'est que le 10 décembre 2020 que la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu à Bankomo, près de Yaoundé. Ces 14 postes de péage automatiques à construire sont les suivants. Simalène sur l'axe Yaoundé-Balmayo, Bankomo sur l'axe Yaoundé-Bankomo, Tiko sur l'axe Douala-Moutenguene, Edea sur l'axe Douala-Edea, Boumnyebel sur l'axe Edea-Boumnyebel, Komtou sur l'axe Yaoundé-Obala, Bayangam sur l'axe Bangante-Bafoussam, Bafia sur l'axe Obala-Bafia, Banga sur l'axe Douala-Banga, Manjo sur l'axe Banga-Manjo, Banja sur l'axe Bafang-Bafoussam, Matazem sur l'axe Bafoussam-Baminda, Fumbot sur l'axe Bafoussam-Fumbot et Chang sur l'axe Chang-Bamongo. Le ministère des Travaux publics camerounais avait livré en 2020 le contenu du contrat qui lie l'État du Cameroun au groupement Razel, Bac et Jig dans le cadre du projet de construction de ces 14 péages automatisés dans le pays. Les travaux devaient être entamés en mai 2020, mais le coût de ceux-ci a été revu à la hausse. En effet, le financement qui s'élevait à peu près 36 milliards de francs CFA connaît désormais une hausse de 5,8 milliards de francs CFA, ce qui signifie que la construction de ces péages coûte désormais à peu près 42 milliards de francs CFA. Selon le ministre des Travaux publics toujours, cette situation est imputable aux conséquences de la conjoncture économique et financière internationale qui renchérit le coût de l'argent. Ainsi, le membre du gouvernement a indiqué que c'est à cette condition que Guarenco, une société de financement européenne et membre du Private Infrastructure Development Group, a pu boucler le financement du projet avec, comme prêteur, la Société Générale Cameroun et Société Commerciale de Banque Cameroun. Notons que Guarenco a fait ce travail en sa qualité de nouveau garant du projet en remplacement de Proparco, filiale de l'Agence française de développement. Revenons à présent sur le nouveau contrat signé par le ministre des Travaux publics. Il s'agit en fait d'un contrat de partenariat entre l'État du Cameroun et l'entreprise Tolcam, officiellement entré en vigueur vendredi 10 juin dernier. Ce partenariat couvre une période de 20 ans, dont 2 ans d'exécution des travaux, dont le décompte a commencé ce 10 juin et 18 années d'exploitation. Toutefois, il faut noter que certains détails n'ont pas encore été révélés. On ignore notamment si, avec la hausse du coût du projet, le volume de recettes attendu par l'État du Cameroun, annoncé lors de la signature du contrat de partenariat en 2020, reste d'actualité. Il était question de verser à l'État près de 5,5 milliards de francs CFA en 2021 et près de 49 milliards de francs CFA en 2039, année initialement prévue de la fin de l'exploitation par Tolcam. La première phase des travaux doit être réalisée sur 7 postes de péage que sont Bankomo, Boumnyebel, Edea, Simalène, Komotou, Tiko et Banga. Le premier poste témoin doit être achevé au niveau de Bankomo dans 6 mois ou plus tard. Et lors de la deuxième phase des travaux, des postes seront construits à Bayangam, à Bafia, à Manjo, à Banja, à Matazem, à Fumbot et à Chang. Il est important de révéler que le péage constitue l'une des taxes parmi tant d'autres du secteur routier. Selon la loi de 1996 portant protection du patrimoine routier national, le circuit de ressources de péage est clair. Les péagistes collectent sur le terrain tous les jours et périodiquement le chef de poste reverse l'argent collecté à la perception la plus proche
contre-quittance. Avec ce projet de péage automatique, le gouvernement camerounais espère mieux sécuriser les recettes du péage, car la manipulation du cash qui prévaut jusqu'ici ouvre souvent la voie au détournement de fonds publics, ce qui cause bien entendu des pertes pour le trésor public camerounais. Imaginons que 100 véhicules passent un péage en une journée. Cela revient à 50 000 francs de recettes. Un péagiste verse 45 000 francs et continue cela tous les jours pendant une semaine, période à laquelle le chef de péage va effectuer le versement. Cela équivaut à 35 000 francs empochés par le péagiste pour une recette versée de 315 000 francs contre 350 000 francs normalement prévus par semaine. Bien sûr, c'est sans compter la part que pourrait déduire le chef de péage avant le versement à la perception. Sur l'année, cela constitue une perte de près de 2 millions de francs CFA pour l'État. Et si l'on multiplie cette somme par le nombre de péages que comprend le pays, on se retrouve malheureusement avec un important argent volé. Et donc, les péages automatiques sont une sorte de résolution ou alors une version améliorée des anciens péages qui vont faciliter le passage des véhicules et qui vont rendre minimes voire nuls les risques de détournement. Des détournements estimés à plus de 50% de recettes générées par les péages en 2015 selon une étude. Il y a d'autres avantages avec la construction de ces péages automatiques, dont celui de la génération des emplois. En 2020, il était estimé à 300 le nombre d'emplois générés par la construction de ces stations de péage. Il s'agit donc là d'un autre avantage non négligeable. Seulement, l'État du Cameroun devrait attendre encore, ou alors devra attendre encore 18 ans, soit en 2040, pour bénéficier pleinement des avantages financiers de ces péages automatiques. Car pendant 18 ans, les stations seront exploitées par Tolkam qui ne versera qu'une petite partie des recettes à l'État du Cameroun. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV.